Salut à tous, c'est Biloulette et je suis avec mes trois copains fous, à savoir iPlay, coucou. Salut Bilou. Coucou Gus. Salut, salut tout le monde, salut Bilou, iPlay et... Hello. Et hello Alex. Et, et hello les gens, et donc, vous l'aurez compris, nous sommes dans Walking Dead et nous reprenons là où nous en étions. Alors juste pour info, on a des fours ici, donc ça m'a permis de faire cuire la bouffe et d'en donner aux copains, et voilà. J'ai deux infos, moi. La première, c'est grâce à toi, Bilou, tu nous as trouvé cette belle pancarte-là pour l'énigme. Ah oui. Et la deuxième info... attends, j'ai un retour, c'est terrible. C'est ça. C'est bon ? Ok, oui, c'est bon. La deuxième info, c'était pour dire que j'avais mal compris, avec l'équipe, on s'était mal compris. Et en fait, ils ont reproduit l'intégralité de la saison 1. Je pensais qu'ils avaient reproduit la saison 2 et la saison 3 avec les prisons, mais ils m'ont dit que ça viendra plus tard. Donc en fait, la carte sur laquelle on est là, il n'y a que la saison 1. Alors je leur ai demandé, pour nous faire un petit clin d'œil, d'introduire la ferme de Herschel. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ils ont fait en sorte qu'on la croise avant la fin de cette saison 1. Mais ça se finira sur le... je sais plus si Gus, tu sais comment ça s'appelle, c'est quoi, c'est un centre laboratoire à la fin de la saison 1, tu sais, là où ils... Ouais, c'est un laboratoire de recherche où il y a un gars tout seul qui essaie de trouver un vaccin, mais c'est un peu foireux et ça finit... Enfin bon, je vais pas... Et ben voilà, spoiler, donc notre aventure se finira là. À Atlanta, je pense. Ouais. Donc on doit rejoindre Atlanta pour rejoindre ce laboratoire et on attendra quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, avant d'avoir la suite, en fait. Voilà. Je pensais qu'on allait tout enchaîner, c'est pour ça que j'ai dit à Biloulette que ça ferait 30 épisodes, mais pas du tout, en fait. Ouais, en fait, je pense qu'on aurait pu appeler la série Walking for Dead Boyard. Je comprends rien, moi, à leurs énigmes. Non, là, moi, je vous la refais. On a une bonne réponse qui est ici par rapport à l'indication qui a écrit là. C'est-à-dire que si on fait Y égale 5, il faut que le résultat soit moins 159. Vous voyez, la pancarte, elle est ici, là où Comment je suis. Tu sais ça? Là où je suis. Regardez, venez. Oui. Coucou, au fond. Oui. Ah, la petite pancarte que j'avais trouvée. Voilà. Y égale 5. Le résultat est à moins 159 si Y égale 5. Donc si on fait Y, par exemple, moins Y, non. Moins D'accord. 5, moins 5, ça fait pas 159. Donc le résultat est pas bon aussi. Si on fait 4Y, moins... voilà, y a une bonne opération en fait. Dans tout moins ça. 32, 28. Égale moins 72. Bon, on regarde tous et puis on décide celle qu'on valide. Okay. On sait que c'est pas la première puisque moins 5 plus Y, ça peut pas faire moins 159. Et il y aurait pas une autre pancarte quelque part? Attends, je 35 moins 35 Y. 40. 40. Je dirais celle-là, bon. Moi, celle en bas à droite. Moins 35 Y plus 4 x 4. Ouais. Moins 35. Bah attends, on va calculer. Moins 35 fois Y. 5. Et Y, oui. C'est 5. Hein. Ouais, 5, c'est donc ça. 35 fois 5. Moins combien c'est? C'est 16. J'ai pas l'écran sous les yeux, je suis parti sur plus, le calcul. Plus 4 fois 4, 16. 16. Ça fait 159. C'est ça. Ok, c'est ça. Ok, ouais, c'est trop fort. Putain. Sans avoir fait le calcul, là, quand on s'est appuyé dessus. Vas-y. J'active, attention. Serrez les fesses. Attendez. Ah. Oh merde, c'est des creepers. Oh putain. Oh la vache, c'était ça, mais alors ce sont des creepers. Oh purée. Mon dieu. Donc pour mes viewers, j'avais coupé puisque du coup j'étais en train d'utiliser la calculatrice. On a utilisé le levier en bas à droite. Vous n'avez rien. Oh le merdier. Oh là là. C'était pas ça, c'était ça, si c'était ça. Si c'est ça, a priori hein. Parce que les gars, non, je voulais dire, je crois que c'est la première fois qu'on réussit une épreuve. C'est clair, récompense de quête. Ouais, c'est quoi? Ah, bah super, une tronçonneuse. Oh, y'a un putain d'armure de la mort. Une armure. Bah, vas-y, moi j'ai une. Toute cette redstone a un sens. Elle est pour Gus, de toute façon, c'est Gus qui a trouvé. Donc. Ouais, vas-y. Ah, ouais, vas-y, Gus. Et prends la diamante d'or. Prends la tronçonneuse. Attention, bon bail. Vas-y, Gus, prends la tronçonneuse. Bah quelqu'un prend la tronçonneuse, moi je suis bon, bah vas-y, hein, si vous en moi j'ai mon AK-47, je m'en débarrasse pas donc. Moi je la prends sinon, hein. C'est vrai que moi je suis à l'arme blanche, hein. Attendez. Ah, mais qu'est-ce que je fais moi, des conneries comme d'hab. C'est bon. Bon, c'est bon. Qui c'est qui l'a pris finalement la tronçonneuse? Moi. Bilou. D'accord, moi je te la laisse. Et tu la veux, chouchou? Non, c'est bon. Bon, allez, on y retourne. Ah hey, c'est la... T'as raison, mais c'est la première épreuve qu'on réussit quoi, c'est dingue. Et c'est le 15e épisode. Il était temps. Je sais pas, 14. Je vous fais un truc, moi. Ah, c'est vrai que Bilou, elle a pas dit combien c'était l'épisode. Pardon, c'est l'épisode 13. Ah c'est vrai que normalement, il se déco, là. Faut savoir qu'iPlay est terrorisé par le chiffre 13. Ah, là, il reviendra au 14e. Voilà, on se retrouve pour le 14e. Moi, je fais pas d'épisode, ça ne marche pas. Est-ce qu'on est vendredi? Ah non, on est Écoute, lundi, ça nous c'est a porté chance, finalement, tu dis ça, mais...
Moi, ça me porte chance, le 13. Mais il, est... moi, il a déco, ce con. Non, c'est vrai. Oui, oui, il est derrière moi. Il est revenu, regarde. Bon, et je suppose qu'on sort de ce tunnel. Oui, oui, bah dans un le jour, principe, peut-être. Je crois, parce que on a la lumière qui est revenue, ça n'empêche pas le pop, mais c'est joli en tout cas ce tunnel. Mais c'est normalement pop dans la tête. Rejoindre Atlanta. Moi, oh, il y a du monde là. Moi perso, 20 minutes là-dedans, ça me va. Hein. Oh la vache. Aïe, 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 c'est moi, oh mais non, pas. Mais vous m'avez arrêtez tué. Alex. Mais t'es passé devant moi quand j'ai tiré au bon endroit. C'est ça, ouais. Mais si, je suis désolé. C'est ma faute à moi. Milio, je suis désolé. Oh putain. Au secours. Au secours, les garçons. Spam-click. Wow. Il faut dire s'il vous plaît. Oui. Alors, je vais aider Alex qui est en très mauvaise posture. J'ai l'impression qu'on est, on est séparés, là. Ça y est, je suis là. À côté de moi. Avec une hache. Donc non, tu es sauvé. S'il y a Biloulette à côté de toi, tu es sauvé. J'ai gagné la guerre, c'est bon. Tu ne peux, c'est ça, tu ne peux plus mourir. Parce que quand même, on les attend peut-être. Je suis connu, ouais, mais moi je bute du zombie. Il faudrait que je vous rattrape un peu. Bah ouais, mais si tu les tues de loin, toi. Bah oui. T'arrêtes pas de dire. T'arrêtes pas de dire qu'il faut garder les munis. 260, Aipley. Non, mais il y a triche. Ah ouais, 260. Il revient hors recording pour tuer du zombie. Pour faire monter ses stats. J'en suis sûr. Ah mon dieu. Putain, comment vous. En fait, moi je vais me retrouver avec plein de. Allez, je tire aussi au flingue, moi. Oh la vache. Après, faut dire quand même que c'est une libre interprétation de The Walking Dead parce que. Y a pas un grand. Attends, j'ai une. Y a pas un grand tunnel comme ça dans la saison. C'est vrai. Ah, que dalle, putain. Ça, c'est fait. Vachement. Ah, il y a le bout du tunnel. On voit le bout pourquoi du ça tunnel. Porte dessus. Tiens, pourquoi j'ai plus mon nombre de PV, moi. Pas de PV, de points d'enchantement qui s'affiche. Ah oh bah non, si tu me tues mes zombies, ça va plus. Non, c'est bon, je suis deuxième, moi, je reste deuxième. Et pour moi. C'est bizarre, je suis en game mode ou quoi. Ah bah c'est ça. Demande à... Bah je vais me l'enlever. Faites ah mais non, j'ai pas les droits. Faites l'inventaire pour voir. C'est bon, vous êtes en le bon game mode. Ouais, c'est bon pour ouais, moi. Ouais, mais moi c'est parce que j'ai mouru. Mais si tu te demandes, Bilou. Depuis le début. Ah mais oui, mais... je l'ai demandé, mais n'importe comment. J'ai l'impression qu'on est séparés, donc vous êtes là. Non, on est là. On est là, on y suit, on va un peu moins vite. Ou le petit, ou le vilain. Petit vilain. Où le petit vilain. Par pop, putain. Ça y est. Bête. Ah, prends ça dans la gueule. Oh là là, il y a du monde là. Allez, parce qu'il y a plein d'Underman. Je les ai énervés en plus. Dégage toi, va vivre ta vie là. Aïe, j'arrive. Plus, ah moi je vous laisse vous démerder vos Underman, personne m'a aidé tout à l'heure. Enfin, dans le dernier épisode. Oh, putain, il va me buter. C'est trop mal cet Underman. Aïe. Oh, je veux pas mourir. Ah, j'en ai deux, Ouais, j'étais avec toi et je t'ai tué. Bah je me suis vengé. Merci Bilou. On est égalité. Ah, ils font mal hein, les bougres de. Ah les Underman ils sont terribles. Il y a un petit. Pourquoi j'ai été TP? Oui, il y a du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, il y a des petites choses très très agressives. Oui, mais plus c'est petit, plus c'est méchant. C'est quoi ces petites choses très agressives? Aïe. Oh! Attention, la vache. Oh là, ils sont trop nombreux là. Aïe! Pourquoi il y a tout état d'Enderman? Eh, mais qui me tire dessus, ça suffit? Aïe! En fait, pour vous retrouver, c'est simple, il suffit de suivre les oreilles au sol. Comment vous dire que là, je vais avoir un problème? Oh, je suis déjà mort. Oh, le merdier. Non, c'est par où? C'est par là-bas. Là, par contre, j'ai bien l'impression de voir le... Tu sais, quand ils sont sur l'autoroute, là. Mais pas loin, là. Putain, j'arrive pas à grimper. Oh, putain, il y a une pancarte, ici. Fin de zone, fais demi-tour, ok. Je vais crever. Donne-moi des points de vie. Il y a du monde derrière. Hein. Bon, pause. Aïe. On passe une pause. Pourquoi il y a des pancartes, faut qu'on les lise. Aïe. Oui, bah. J'arrive. Attendez, bonjour. Aïe. Purée.
pop de partout. Vers Atlanta, à gauche, suivez-moi. Suivez-moi, faut aller à gauche. Faut aller à gauche. Oh mon dieu. C'est la guerre. C'est ça. Ah la vache. On est que 3 là, il nous en manque un. Non, j'arrive, je tue les derniers zombies. Ah mais non, mais ils arrivent, il y en a tout le temps. Ça sert à rien. Ok, c'est par là. Très très grand. Je dois avoir 60 kills. Attends, faut qu'on attende Gus. Oh, 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 barrez-vous, barrez-vous. Oh là, ça a pété. On attend Gus parce que regarde ce qu'il y a derrière. Oh la vache, oui. Gus, oui, on fuit, il faut qu'on trace. Oui, j'arrive. Il y a trop de monde. Je me débarrasse de ceux qui me suivent en fait. Ouais, mais tant qu'ils sont loin de toi. Vers Atlanta. Oh l'explosion. Qu'est-ce que c'est là-bas là? J'ai l'impression qu'il y a une ferme au fond. Oh my god. Oh je suis morte pourquoi? Highplay m'a tué. On va peut-être le voir. En fait vous remarquez que je ne meurs que grâce à mes potes moi en fait. La seule série où Freddy Fire. Pain, il y a du monde. Allez viens Gus. Pain. Ils sont où? Viens, il faut traverser Gus. Par là, par là, j'arrive. Par là. On va voir, il y a une ferme ici. Mais. Ouais, si. Ça a l'air sympa. Si, si, on y va. Traverser. Ça a l'air sympa. Oh, c'est beau. Je m'éclate avec les grenades. Aïe, aïe, oh, tu l'as bien aïe, bouffé aïe, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, une ferme. C'est pourquoi? Attention, on se donne au point de rendez-vous à l'entrée de la ferme, là où il y a la lumière. Allez, go. Et on va essayer de la protéger. Moi, de cours. C'est là. Il y a énormément de zombies. Hein. Oh. Ouais, mais si tu cours. Ouais, c'est, ça doit être la ferme d'Archal. Ouais, je cours avec eux. C'est que je cours, mais je suis derrière vous, donc... Allez, je suis avec toi, hop. Allez, on sécurise ici, on fait le ménage. Alors, toi, le nain, tu pars. Oh, c'est beau. Oh bah oui, je sais pas viser, en plus. Ouvrez la porte. Attention. Aïe. Oh, putain. Ne me tirez pas dessus. C'est bon, je l'ai eu. Ah, pardon. Ça doit être fermé. Ouais, c'est fermé. On passe par la fenêtre. Elle est ouverte, la fenêtre? Non, elle est fermée. On peut pas rentrer. La grange. On est dans la grange. La grange. Alors viens. En même temps, je la sens pas des masses, la grange. Mais bon, ouais, ah, y a un coffre là. Oh mon dieu, il y a des armes. Trouve un levier, c'est top. Oh oui, il y a plein d'armes là. Ah, ouais, grenades. Cool. Ah, je prends le AK-47, on a chacun notre arme, nickel. Ouais. Je prends pas les grenades. Parce que ça pas moi, j'ai pas. Pas de munitions pour mon. Je peux prendre le P90. Ah bah ouais. Vas-y. Je vais t'ordonner, tiens, du P90. Qui me tire dessus? Moi, certainement. Oh, il y a des shurikens, je prends les shurikens. Débarrasser de ça. Vite, zombie. Putain. Derrière vous. Ouais. Ah. Gus, attention. Me dites rien surtout. Comment ça, attention, me dites rien? Attention, vous avez une grenade. Oh, 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 oh putain. Où ça? Aïe. Je sais pas, elle a pas pété. Ah, voilà, là. Et du cochon. Oh mon dieu. Regardez derrière la grille. Shuriken, shuriken. Oh. Ninja, ninja, ninja. Attendez, j'en envoie une. Ninja, 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 ninja. C'est magnifique. Ninja. C'est magnifique, c'est pyrotechnique. Ninja. Je mange, je vais crever. Ninja, ninja, ninja. Ah mais ninja, ninja, ninja. Ah le jour arrive. Alors il y a quoi dans ce... Il y a des cochons pour bouffer. Il y a des cochons et des chevaux. Allez. Là-bas il y a une porte, on peut y aller. Ah il y a des selles. Ah. C'est certainement. Il y a une quantité de zombies obscènes dans le champ là. Aïe. Bon il y a du pain, je le prends. Une petite merde qui m'attaque. Merci à Iplay. Ah. Attends, faut que je jette une grenade là-dedans. Regarde du bus. Ah, t'es non, là. Je suis là. Ouais. J'en ai pas ah oui, joli. Ah oui. Ah oui, joli. J'adore. J'en ai ah, plus, c'est trop ça. Con. Ah si, il m'en reste 4. Ah, je vais augmenter mon nombre de kills. Aïe, elle m'a pété dessus. Vache. Allez. Bazooka, peut-être. Attention. Non, j'y vais à la grenade. Oh, oh, on peut faire du cheval. Et une petite dernière pour la route. Ah ouais, c'est comme ça que t'augmentes ton... Oh, ton emmène... Non. Mais non, mais iPlay, il est à 350. Mais ouais, mais là c'est craqué ce que vous faites. Ah, oh, c'est bon, j'ai... Forcément, j'ai vous gagnez. On est 442. 442. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils y vont la grenade. Il y avait au moins une centaine de zombies dans cette grange, en fait. Oh ouais, vous avez éclaté vos... Bah forcément. Oh les cheaters. C'est ça. Ah bah non. Ah si, moi, si, c'est du cheat officiel ça. Il y avait 100 zombies là-dedans, c'est incroyable. Mais non, Gus, il est à 444. Il en a buté 120 d'un coup.
Ah, c'est bon ça. Bon, allez, moi, j'essaye de prendre est-ce le poney. Est-ce qu'il faut là. Prendre les chevaux? Bah, je sais pas, il veut pas mon poney. Non, mais il y a une maison encore à visiter là. Il y aura peut-être un indice à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose. Bon, alors, allez, poney, laisse-toi sceller. Tiens, bah, viens, Alex. J'ai mis les shaders et c'est vrai que ça change le jeu. Ça. Bon, bah, pas de poney aujourd'hui. Voilà. Puni. Puni ta poney. Y'a quelqu'un à l'intérieur. Vous êtes où? Ils sont où? Ah, moi, là-bas. Je l'ai tué, non? Oh, mes vaches, qu'est-ce qu'il aura? Ah, attention! Où bah, ça? Mais... Oh, mais quoi? Ah, pardon, Alex. Y'a quoi à l'intérieur? Est-ce qu'il parle comme un. Faites un clic droit sur le PNJ. Un canard. Bah, rien. Normalement, ouais, il vous parle. Moi. Il parle pas? Oh, ah, y'a du matos, tiens. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Est-ce qu'il parle plus? Est-ce que si j'y mets une claque dans le visage, il parle, tu penses? Vous faites quoi dans ma baraque? Vous êtes les dézombificateurs. Faut que vous protégiez mes vaches des zombies. Vous aurez mes chevaux en échange. Mais nom de Dieu, c'est... Ouais, c'est ça. On a le droit de piquer les chevaux. Ouais, d'accord. Mais faut d'abord... La récompense, c'est quoi? Elle est où le... Est-ce qu'on est obligé de se déguiser en vache? Oula, Enderman. Attention. Donc en fait, bah, à l'étage, si on tue tous les zombies, comme on l'a fait, comme Gus l'a fait avec ses grenades, on a le droit de piquer les chevaux pour les emprunter, en fait. Pour se barrer à Atlanta avec. Et à l'étage, il y a... Oh, bah, ah bah... Il y avait mes munitions. J'arrive. Il y avait un creeper. J'adore. Il arrive devant le coffre et il dit... Et à l'étage, il y a... Et là, il y a un creeper qui lui saute à la gueule. Et il est mort. Il y avait mes munitions. T'es content? Pourquoi il y a des zombies dans la maison? Qu'est-ce que tu merdier? Il faut aller dans la grange, les enfants. Faut prendre les chevaux. Ils se sont barrés, les deux. Bah, bien sûr qu'on s'est barrés. T'es mort. Il y a rien là-haut, Alex. Mais il y a mes munitions. Ah oui, pardon. Et vous êtes où, les deux autres? Dans la grange, hein. C'est là où il faut aller. D'accord. Et dans le foin. Il est content. Bonjour les chevaux. Le blanc est magnifique. Je le laisse pour Bilou. Mais vous avez fait pour le monter? Bah oui, il faut lui donner. Il faut lui donner du comment ça s'appelle? Des graines, du foin. Des graines. Bah non, tu lui mets une selle. De la pâté. Il veut pas, moi, que j'y mette ta selle. Ah bon, non, moi non plus. De la pâté pour cheval. D'ailleurs, il va falloir qu'on cultive quand même. Dehors, on peut pas avoir des graines. Non, y'a rien de. Mais non, mais ah, non, j'ai des carottes, moi, attends, voir. Ah, seed, y'en a là. Y'en a 3 dedans, des seeds. Merde, moi, j'ai une carotte, le mien. Non, il veut pas. On est 4. Il veut pas. Ah, je pense pas que ça marche. Alors, attends, je crois que c'est comme ça. Vous voulez que je prenne lequel? Je crois que c'est ça. Alors, attends, il est où le truc? Oh, la nuit. Allez, J-Jumper. Comme ça. Ça marche? Non, ça marche. Mets ta selle. Et je te tue si tu mets pas ta selle. Je te tue. Non, mais ils veulent pas. Hein. On peut pas les monter. Mais on est peut-être très mauvais aussi. Est-ce que j'ai essayé de leur donner des choses à manger? C'est de leur foutre du C4. Attends, j'en ai. Quelle bonne idée. Alors, vous êtes C4. Des monstres. Si c'est chaud, je ne veux pas avoir ça. Ah, ils vont pas vouloir nous aider. Alors j'ai du C4. Ne quitte pas. Attends, je mets du C4. Attends, vas-y, pousse du C4. Eh, je te jure, il y a la péta qui va venir nous faire chier. Alors, comme ça, vous tuez les animaux, C4. Attention, écarte-toi, Gus. Ça va péter. Je suis capable de me le faire péter à la gueule en plus. Pourquoi mais ça marche pas, ramasser C4 des choses. Il faut que tu utilises ton interrupteur. Tu as une manette et oui, tu fais un clic droit. Ouais, bah ça marche pas. Pose le C4, après t'as l'interrupteur et clac. Alors, attends, j'ai pas dû. Il faut que je prenne le C4. Il est où le C4? C4, C4, C4. Pose au sol et après avec ton interrupteur, clac. Bah oui, mais je peux pas le poser. Qu'est-ce que c'est? Bon, je le fais à la grenade, rien à foutre. Allez hop. Vas-y, à la grenade. À la grenade. Attention. Ça va péter. Comment est-ce que vous tuez les chevaux d'ailleurs? Ils veulent pas nous aider. Ils ont survécu à l'explosion de grenade. Attends, j'en ai encore. Attends, y'a quoi là-haut? Warrior, c'est des warriors, c'est des... Attention, Marie, vous, ça va péter ça, péter ça, aïe. Ah, je suis monté en haut. C'est iPlay, tu sais pas viser. Incroyable. Et on n'est pas obligé de tuer ces pauvres bêtes, non? C'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve que vous êtes des monstres. Oh, mais non, mais vous... Mon criminel, il y a le serveur qui nous dit criminel. Bah, on peut pas les monter, ils veulent pas nous aider, nous. On a faim. Mais ils ripop. Et en plus du steak de cheval, ça fait très fin d'us. Bon alors, du coup on fait quoi? Parce qu'on devait prendre les chevaux, mais bah ça marche pas. Là on devait pas. Prendre les chevaux pour aller à Atlanta en fait. Mais on peut pas aller à Atlanta. Enfin si, on peut aller à Atlanta, mais à pied. Mais à pied. Bon, on te suit, Iplay. Visite un peu quand même au cas où. T'es où, Gus? Aïe. Et j'ai tué des animaux pour manger. Ah, y'a peut-être un truc là, non? Là-dedans. Par des zombies. Pourquoi il marche pas, mon pistolet là? Aïe. Qui c'est qui me tape?
M10-14. Ah merde, c'est pas les bonnes balles. Y a rien. On va faire le tour. M10-14. En fait, toutes les graines qu'on voit au sol, c'était peut-être ça pour les nourrir. Regardez ça, il y en a plein. Non, bah, je sais pas. Moi, je connais dans mots créatures, mais je sais pas comment on fait avec les chevaux dans Minecraft. Oh, c'était tous les trucs que vous voyez au sol. Je crois que c'est le même principe. Hein. Ouais, ouais. Il me semble. Ouais, ça. Bah, sans le secret ici, non? Et on est à combien? Quelqu'un a fait le timer? Ouais, on est à 20 minutes. Ah, 20 minutes? Ouais. Okay. Alors, on va juste il y a des araignées là. On peut pas rentrer. Et on peut pas rentrer dans... Ah si, on peut rentrer dans la maison, mais je crois qu'à mon avis elle est pas... J'aime bien comment tu rentres dans la maison. Non, elle est pas aménagée. Oh, ils nous ont troll. C'est juste pour la déco. Vous n'avez ok, rien. Lui il a un casque... Moi ce que je propose c'est qu'on arrête là, dans cette ferme, petit clin d'œil à la future saison 2, et qu'on se dirige vers Atlanta pour le grand final. Ça marche. On fait comme ça. Attends. Ouais, on fait comme ça. Allez, à la prochaine, salut tout le monde. Bisous à tout le monde. Tard. Known to agree, one blink and number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm.